Où je peux partir? Je ne suis pas à Bali, je suis chez moi et l'Indonésie est toujours fermée aux voyageurs. Mais j'y suis allée l'an dernier et je voulais vous montrer comment on peut passer 3 semaines hors des sentiers battus. On y va? On a commencé par Ubud. Bon, ce n'est pas vraiment hors des sentiers battus, mais c'est un incontournable si vous venez à Bali. Ubud, c'est le centre culturel de Bali. C'est la ville de la danse, du yoga, de l'artisanat, de l'art. Nous avons commencé notre toute première journée par un cours de cuisine. Là-bas, on y a rencontré des Françaises et on a passé ces quelques jours à Ubud avec elles. Des bisous si vous voyez cette vidéo, c'était trop cool. Direction les fameuses rizières en terrasse. Nous avons visité celle de Tegalalang, une des plus connues. Ils sont en liberté. Autour d'Ubud, c'est vraiment la jungle. Il y a des temples de partout à Bali, même dans la Monkey Forest.
Et enfin, depuis Ubud, vous pouvez faire la fameuse marche qui monte au Mont Batur. Vous pouvez observer le lever de soleil là-bas. On est parti à 3h du matin. Oui, ça piquait un peu, mais le spectacle en vaut vraiment la peine. Petite baignade et nous avons ensuite pris la route pour Mundu. Sur le chemin, notre chauffeur nous a arrêté au temple Pura Bratan qui est situé sur le lac Bratan. Les temples sont vraiment magnifiques à Bali. Mundu, c'est une petite ville en allant vers le nord de Bali qui est encore très authentique. C'est une région avec beaucoup de magnifiques cascades. Vous allez en voir quelques-unes. Dans Pemutéran pour l'anniversaire d'Étienne. On est allé faire du snorkeling dans la réserve naturelle du Menjangan et nos hôtes avaient fait un très joli gâteau. Réserve naturelle, les coraux se reconstruisent et les poissons y sont de plus en plus nombreux. C'était magnifique. Touristique, on s'est vraiment régalé. Le lendemain, on partait pour Ahmed à l'est de l'île. Sur la route, on a fait découvrir Goldman et Michel Delpech à notre chauffeur balinais. Il était ravi. À Bali, il y a des chiens et des chats errants de partout. Et je me suis fait pas mal de copains. Et oui, c'était à Ahmed que nous avons fait du scooter pour la toute première fois. Et avec une conduite à gauche. Alors oui, on s'y fait très très rapidement. En prenant le scooter depuis Ahmed, vous pouvez aller visiter de magnifiques temples. Je vais vous montrer lesquels.
fonds marins sont très beaux à Ahmed. On a vu de magnifiques poissons et plein de tortues. Et le petit plus dans cette ville, c'est magnifique coucher de soleil sur le volcan. Et je vous avoue que les levées de soleil sur la mer, ils sont pas mal aussi. De bateau plus tard et nous voilà arrivés à Guilimeno, une île de Lombok. C'était la farniente pendant 3 jours. Pas de véhicule à moteur, donc vous vous déplacez à pied ou en vélo. Et puis le coup de cœur du voyage, Nusa Penida. Oui, cette île est assez touristique, mais pas autant ensoleillée que le sud de Bali. Les paysages sont à couper le souffle. On y est allé car je rêvais de nager avec les raimentas. Et mon vœu s'est exaucé. Nager avec ces géants, c'est incroyable, c'est indescriptible comme sentiment. Bon, il faut savoir que les raimentas raffolent de méduses. Vous voyez tous les petits points là sur la vidéo? Oui, vous avez compris. Alors oui, ça brûle, mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Et enfin, nous avons passé nos 2 derniers jours à Uluwatu, dans la pointe sud de l'île. Les pieds dans la piscine pour se reposer de ces 3 semaines intenses. C'était mon tout premier pays d'Asie, et quand on arrive pour la première fois, ça dépayse. Mais lorsque l'émotion est redescendue, je me suis rendu compte que c'était un voyage incroyable. Avec le recul, j'aurais passé les 3 derniers jours à Singapour plutôt qu'à Uluwatu. Rien que l'aéroport était impressionnant. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Vous verrez beaucoup de personnes qui vont détester Bali. Alors oui, il y a beaucoup de déchets dans la rue, parfois sur les plages. Mais ils essayent de faire beaucoup d'efforts pour lutter contre le plastique et pour le renouvellement des coraux. Et c'est déjà beaucoup. Pour ma part, j'ai trouvé l'ambiance incroyable. Les Balinais sont super gentils, super généreux. La nature est incroyable. La jungle est partout, les plages sont super belles. Et les fonds marins, je m'attendais vraiment à pire. Les coraux, ils sont
pas hyper colorés, on est d'accord. Mais ils sont pas gris non plus. Ils se régénèrent, les poissons sont hyper colorés, hyper présents. Donc pour moi, c'était magnifique. Si vous connaissez Bali, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'y aller. Franchement, ça vaut le détour. You should go back home.